Une voisine a déclaré sous serment qu'elle avait donné l'ordre à des personnes de nettoyer la maison où Senzo a été tué et de jeter les alcools parce qu'elle ne voulait pas qu'on apprenne que Senzo était mort dans une maison où l'on buvait. Et elle ne voulait pas que les gens voient le sang de Senzo. S'il y a des allégations selon lesquelles la maison aurait été nettoyée avant l'arrivée des policiers, c'est un crime. Il faut alors inculper cette personne pour avoir nui à la justice, car c'est bien de ça qu'il s'agit. Y a-t-il eu une inculpation? Pourquoi personne n'est jugé pour ça? Quand on est arrivé sur place, les lieux avaient été contaminés. Nous n'avons pas trouvé la moindre balle ni le moindre chargeur vide. L'affaire Senzo a été pervertie dès la scène de crime. If the house was clean, what about the head? Because the guy who entered into the house was wearing a head with a short dread. So obviously it belongs to him. If the house was clean when he came in from hospital, what about the head? I'm not saying being a go clean or be clean, but his clothes are still apparent. So, I want to be a cleaner, you know, I'm skipping his clothes.